Notre histoire commence en 1583, dans la cathédrale de Pise. À l'intérieur, un étudiant de 19 ans en médecine. Il s'appelle Galilée. Vous en avez certainement entendu parler. Et Galilée est en train d'observer les lustres de la cathédrale quand un tremblement de terre ébranle la Toscane et les lustres se mettent à battre périodiquement. Alors, il y a une question moi, que je me suis toujours posée. C'est quand vous dites, vous, les astrophysiciens, que l'univers n'a pas de centre. Il y a quand même un centre. Non, justement, c'est même, on a érigé ça en principe, c'est ce qu'on appelle le principe cosmologique. Et quelle était votre première réaction personnelle de réaliser qu'il y avait cette découverte? That night, at 1 o'clock in the morning. It's very late at night. I'm walking home. The traffic lights are blinking instead of their usual, you know, changing. And I don't even notice I'm walking. I'm just kind of floating along, thinking about, finally we've discovered it. Now we have a tool which to investigate the universe with. Nous jouons le rôle d'arpenteurs de cette pièce obscure. Imaginons que je suis un astronaute qui va traverser cette surface, qui est matérialisée ici, cette surface de l'horizon, par un trait rouge.